Et salut tout le monde, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode sur Crusader Kings 2 avec l'influence du dragon. Et aujourd'hui on va partir en guerre, dans plein de guerres. On va commencer par les plus petites, hein, la guerre contre le Népal. Histoire de le grignoter un peu, on va prendre cette province et on verra ce que ça donne. Son vassal a plus de troupes, mais il est bouddhiste, donc il peut pas faire appel. L'armée de comment. Hop, déclarer la guerre, conquête de conquête de ta capitale, si. Vous êtes où en fait? Ouais, c'est bon. Rassemblez-vous bien loin de la frontière, histoire de ne pas avoir de soucis. Toi, tu restes couché, ça sert à rien. Tu vas te faire non, en fait, n'allez pas aussi loin. Rassemblez-vous ici. Yeah, on a lui qui vient de s'accepter de venir chez nous. L'air cool. Demandez de quitter la cour. J'aurais perdu 50 pièces pour rien. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Je dois juste couper quelques secondes et je reviens tout de suite. Je voulais vérifier que le micro ne s'était pas coupé parce que ça m'aurait légèrement beaucoup dérangé de devoir faire du doublage. J'aurais juste recommencé un peu plus tard en disant qu'il y avait eu un petit souci. Non, pas chasteté, je suis con. Je suis con. C'est quoi, c'est moins 1000... Non, moins 15%, ok. Mais j'ai pris famille, ce qu'on pense. Hop, 2700. Vous allez où? Lumbini? La direction Lumbini, ceux-là, les autres vont aller sur ta province, c'est tout. Hop, vous, on va vous mettre les meilleurs. Ah. Ta-ta-ta. Mille troupes contre 2700, ça devrait passer. Ouais. Ouais, marions-nous. Non, c'est pas moi qui ai fait la demande en premier. Les gens sont concernés, j'ai besoin d'un max de thunes. Où vas-tu comme ça? Hop. Ah d'accord, il va ici. Bah oui, vas-y. Faut quand même te rattraper. T'arrives le 1er avril. On arrive le 6 avril, on a 5 jours de retard à ce niveau-là, c'est une toute petite province. Donc pour l'attraper, ça devrait être pas trop compliqué. Et il est plus assez pour faire le siège, donc on gagne du temps. Toi t'es pas en guerre, tant dommage, mais t'inquiète pas, ce que tu m'as pris, tu vas le reperdre. Donc, oui, c'est ce qu'il m'a pris, il me l'a pris à moi personnellement. Boum! Ah oui, petite surprise. Boum! Plus de troupes. Toujours plus de troupes. Mouahaha. Ça va être plutôt intéressant. Allez, tombe. Tombez. Il n'y a plus qu'à aller prendre sa province. Tu veux me convertir à ça? Ce front ici bas également. Rançonné. 10 pièces d'or. Ce ne vaut pas grand chose, hein. Hop, exécuté.
On va pas se rapprocher des religions de l'Inde. Non, 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 non. Ah si, lui a levé son armée pour parce qu'il est en guerre contre moi. D'accord, il a le droit de lever son armée. Bon, bah, fais-toi plaisir. De toute façon, j'ai quand même plus de troupes que toi. Ça devrait aller vite, le siège. Faut que j'appuie sur play, ça ira vite. 20% tous les 12 jours, je vais pas faire le siège accéléré. Pas exagéré non plus. 2%. 52%. Ah oui, c'est un peu plus rapide. Moins 30% tous les 12 jours. Très bien, je prends. Après, s'il ne reste que toi, je pourrais aussi te déclarer la guerre. T'as un peu plus de troupes, mais quand même. Je te déclarerai la guerre pour l'autre côté. Histoire de bien t'ennuyer. De bien t'isoler. Ah, ça c'est... En plus, ça c'est pas à nous. On l'avait dès le départ. Mais cette province, c'est pas à nous, de base. C'est-à-dire qu'on peut avoir le royaume. On est censé avoir le royaume. Garde d'assujettissement contre le CDI. C'est la technique que j'avais utilisée. Le problème, c'est que s'il utilise les techniques que j'ai utilisées, il va se retrouver en 50 d'années, 60 ans à avoir l'Inde. Ça, ça me posera problème. Donc non, n'utilise pas toutes mes techniques quand même. Tu peux avoir tes techniques pour t'agrandir sur ton empire, pas plus. Allez, c'est ça, jette-toi dans la gueule du loup. C'est moi, ils sont trop bizarres leurs symboles. Ils sont tous énormes, donc on sait pas qui est roi ou qui est patati ou patata. Lui, il est duc. Mais il a un symbole vu la taille du truc. Vu la taille de son truc, et on dirait un roi. Donc ouais, c'est peut-être un peu exagéré, faudra peut-être revoir ça. Un petit souci. Ah, un petit souci. Allez, finissez cette guerre. Vous en êtes à combien, vous? 63% et 0. Boum! Bon, bah, si tu bouges pas, je viendrai t'attaquer, Janakpur. Ça me paraît être la suivante. Pour avoir du score. 58%. Je vois pas d'autre réelle solution. 80. On y est presque. On va se faire le siège. Pas de soucis avec ça. On se fait le petit siège de... Ça nous fait de la thune. Ah oui, thune en parlant de thune. Ça, je vais le monter au niveau suivant. Tu es bien bonne. Tu es bien bonne. Alors je vais monter ceci en niveau 4. La région est convertie, donc il n'y a pas de souci, donc tu pourras passer directement en... comment dire, en château. Donc ça, c'est ce que l'on fait, ceci. Passer au niveau 3, et on n'a plus de thunes. Mais bon. Les gens seront contents. Pour ce qui est de ceci, personne d'autre? Ah si, il y en a un autre à 16%. Accorder un... Les chansons, pion. Dès que j'ai de l'argent, je t'en donne. On peut faire monter, ça ferait monter à 100% avec celui-là. Ouais, normalement 10%, ça... Non, attendez, il me faut 26%. Crotte. Ça me rapproche, on va dire. Je suis en paix contre le Xia dans quelques temps. Enfin oui, là c'est le titre de roi, il est bizarre, il est énorme ce le symbole pour être roi. Enfin du royaume. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais. 90. Il faut que je prenne jusqu'à là, même si j'arrive à 100%. Roi.
De toute façon, j'arrive pas à 100%, ce qui m'arrange, vu que je veux piller cette province. 100% avec 19 pièces. Oui, 19 pièces, ça va un peu m'aider. Voilà. Nickel. Eh hey mec, je t'offre une paix. Tu ne peux pas la refuser de toute façon. Voilà. N'est pas les plus petits. Oui. C'est. Et ça lui appartient, je jure. J'ai bien fait de le déclarer. J'ai bien fait de le faire, vu que ça lui appartient, lui, je jure. D'un titre foncier, c'est... Faudra. Il m'aime un peu, mais pas trop, hein, quand même. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux créer un nouveau titre. Alors, si je voulais te faire une guerre... Conquête, conquête, conquête. Pas grand-chose d'intéressant. On laisse les troupes se reposer, et puis on partira en guerre contre lui. Pour... Ça fait partie de Gorka aussi, bon bah on prendra lui du sud. Mais il est toujours roi, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que lui a perdu une de ses terres. Donc il est un peu plus faible. Toujours à 4000 hommes, mais plus faible. Alors, on va augmenter l'infanterie légère. Très bien. Économiquement, ça s'améliore. Doucement, mais sûrement, ça s'améliore. Ouais, non, il n'y a pas de moyen d'hériter. Pas moyen de faire une alliance, tiens. Forger une alliance, on est la même famille. Non, dommage. Ça, on peut voir. L'ordre d'héritage. Oh, mon unifrère, il y est. Hein. Mon unifrère fait partie de l'ordre d'héritage de Gujé. C'est un souci. C'est... Oh non. Très bien. Pas de maladie. Please, quoi. Ah tiens, ma capitale n'est pas une une province comme ça, s'il doit y avoir un comptoir, c'est ça. Il suffit de regarder ceci. Pourtant ici, il devrait y avoir. Alors, vomissement, fièvre. D'accord. Quoi d'autre ? Tant qu'on y est, rajoutons 20 couches. Hein. On va améliorer l'infrastructure religieuse. Diarrhée. Intoxication alimentaire. Allez, on est à 107% quand même là. C'est à 120. Chercher un traitement médical, chercher ce qu'on a, premièrement. Non, pas de forgeron, ça a coûté beaucoup trop cher. Nice. Allez. Passons, troupes ici, je suis encore fâché longtemps. Ouais, il risque d'être fâché longtemps. Et intoxication alimentaire, c'est bien ce que je disais. Combien de troupes? 2300. On va se créer un nouveau, une nouvelle zone de rencontre. Ici. Je me fie à votre savoir, bien évidemment. Et après on part en guerre. Je me sens pas comme d'habitude, je suis possédé.
Yeah. Non, je suis parano. Ah, si c'est juste parano, ça va alors. Ah. Ouais, ça va être très fatigant d'être malade comme ça. Mais je suis plus intoxiqué, je suis juste parano. Ah tiens, il a changé de roi. Il a changé de titre. Déclarer la guerre. Laquelle est la plus riche? Celle du sud, on dirait. Donc on prendra une guerre pour celle du sud, dès qu'on peut. C'est-à-dire maintenant. Oui, faisons-le. Déclarer une guerre, pas important, pour celui du sud. Et on lève nos troupes. Ce qui manque, c'est la construction de voies rapides, je sais pas. Quelque chose pour accélérer... Très bien, merci. Il y a quelque chose pour accélérer le déplacement à travers nos territoires. Ce serait plus simple. Parce que là, ça peut prendre du temps. Genre en Inde, pour faire l'aller-retour, il faut pour passer de la capitale, ici, à ce coin-ci, il faut quasiment un an. Donc, un peu beaucoup, je trouve. C'est peut-être que moi, hein, mais je trouve que c'est un peu beaucoup. Hop, tu as une guerre, dispute frontalière, on s'en moque. Fronce ici pas également. Rançonner, tu vaux. 10 pièces, au revoir. Hop, exécuté. J'espère que c'est pas toi qui m'envoie tes gens. Conquête entre lui et lui. Ok, tu vas te faire péter les dents pour... Conquête Nashu de Nag... Ok, pour ceci, tu vas te faire péter les dents. Mais il va faire appel aux armées chinoises, donc il va se ramener avec 5000 hommes, il va péter les... C'est malheureux de le dire, mais... Mon frérot, là, il va pas aller très loin. 134%, il y a personne d'autre. Eh ben... T'es pas hyper aimé dans ton coin. On va monter à beaucoup plus. Il y a peut-être un moment, on va avoir un plan. Je vais me prendre des concubines aussi. J'ai le droit à des concubines. Hein. Oui. Prendre une concubine. 56 ans, 30 ans, bof. Toi ici. Tu as 9 ans. On va pas essayer, non. Toi ici, t'es pas de ma religion. On va voir quand même prendre une concubine. Non. Chez mes vassaux. Prendre une concubine. Toi. 31 ans, je prends. Allez, on va faire un maximum. Prendre une concubine. Non. Prendre une concubine. 16 ans, parfait. Ou ça d'autre. Toi, peut-être. Prendre une concubine. Tu vas me donner... 20 ans, nickel. Ah non, tu veux pas. D'accord. Oh, j'en ai déjà deux en plus. Ce sera pas mal. C'est peut-être justement parce que j'en ai deux. D'accord. C'est pas la meilleure. Mais bon. ...2300, c'est bon. On sait à quoi s'attendre. Hop, venez et on en voit la suite dès que possible. Mais bon, si on commence par faire un petit siège, on sera posé, tranquille. 254%, il y a peut-être un moment où on est assez bon en pourcentage pour déclencher un événement, non? Pour que j'hérite de tout. Bah ça veut dire plus d'héritage de ce côté-ci, mais ça on s'en fout aussi. De toute façon, vu le nombre de personnes qu'il va falloir tuer avant de pouvoir hériter de Gujé, ou Gouge, ou Guge, ou Gueuge, bref, on va appeler Guge, bref, l'Ouest, quoi, va falloir un moment avant de l'hériter. Hein. C'est quoi ça, c'est de la montagne.
Je descends de la montagne à cheval. Rendu 18%, ouais, bof, je sais pas. Quand arrives-tu, 26 octobre? T'inquiète pas, on va te... Comment dire, on va t'intercepter. Et vous arrivez tard, vous, c'est ça? 13 novembre. Toi, tu arrives le 7. Ouais, non. Fiancés peuvent se marier? C'est qui? C'est... D'accord. Oui, c'est ça, venez. Badaboum, ouais. J'espère que vous n'entendez rien, il y a les chiens qui se mettent à aboyer. C'est une joie. Vous arrivez quand? Le 11 décembre. Et vous, vous arrivez le 22 novembre. On va attendre... 3... 4... Pour pas que ce soit trop long. Vous arrivez le 11 décembre et vous arrivez le 26 novembre. 1... 2... 3... À 20. Hop. 1er décembre... Décembre, c'était bon. L'écart est moins grand, du coup. Ils sont en positif, mais... Ouch, c'est-à-dire que j'ai hérité de tout? Ouais, j'ai hérité de tout. Je gérerai ça après la guerre, de toute façon. Parce que là, ça va être compliqué. Ici. Non, pas de LED. Ici, il me faut... Un nouveau régent. Et non. Je peux avoir combien de concubines? 3 concubines, je peux en prendre une autre. Prendre une concubine. Bah toi, t'es la plus jeune, donc... Essayer d'avoir un fils. Même si c'est un fils de concubine. Tout le monde ici. Niveau troupes, j'en suis à quoi? Ouais, je peux avoir 4000 troupes à moi et 1000 de mes vassaux. J'ai trop de terre, je sais, mais ça me fait un peu plus plaisir quand même. Et puis je vais pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça. C'est que des ducs, c'est que des comtes, donc on va pouvoir créer des duchés très facilement. Déclarer la guerre à qui? Toi? Duché de Jiunkan? Ok, on s'en moque. On s'en moque totalement. Ah non, on s'en moque totalement, point, fin d'histoire. Hop, on descend, on va essayer de prendre rapidement ceci. Hein. Ouh là la musique, calme-toi musique. Hop, quelque chose de plus calme, j'espère. Hop, oui, siège. 21 jours de siège. On fusionne nos armées. Et puis, avec un peu de chance, il y a les 4000 suivantes qui arriveront. Huit. Allez, oui. On y est presque. Pour finir l'épisode, finir cette guerre, pour finir l'épisode. On fera un épisode un tout petit peu plus long. Ouf, ça fait des dégâts, ça. Mais c'est rien. On gère. Front ici bas également, c'est un bouddhiste cette fois-ci. Est-ce que t'es... Est-ce... 25 pièces d'or, je prends. Parfait. D'accord. Oui, j'ai pris, maintenant j'attends. On va faire le siège de la province du Nord.
C'est pas comme si on avait vraiment le choix. Par contre, oui, ça me fait combien? Famille, c'est plus 25%. Et chasteté, c'est moins 15%. Donc je suis censé être à plus, plus 10% de... Comment dire? De famille. Peut-être que notre objectif ici donne un... Ouais, plus 20. Non. Je suis le roi, oui. Donc c'est moi qui décide et non. Vous arrivez quand? Qu'on finisse rapidement cet épisode quand même, 1er avril. Encore. Est-ce que tu es généreux, toi? 25 pièces d'or, je prends. C'est pas pourquoi je... Ah oui, je suis à moins 31 de... Vous, on va vous baisser. Hop. Ça me fait beaucoup quand même de dettes. Toujours pas. Suivant. 80%, ça devrait aller, quoi. Évidemment, faut pas exagérer. Je sais, j'ai trop de terre, vous êtes pas con, vous inquiétez pas, je m'occupe de vous juste après. C'est juste que là, j'ai une guerre à gérer. Une fois que la guerre est gérée, les gens vont se calmer. Tu déclares la guerre à qui? À lui? Pour? Bah très bien, fais-moi plaisir. Séance mai, allez plus vite. Ça me fait perdre énormément d'argent tout cette, toutes ces bricoles. 4, 3, 2, 1. Ça devient long. Je pille ton temple. À pied ton temple. Et 100%, alléluia. Ok, et ce sera donc pour toi. Non, d'abord ça, je prends. Et je te donne... C'est quoi, c'est Doty? Accorder un titre foncier. Doty. Et on va pouvoir créer plein de... comment dire, de duchés. Qui vont être plutôt bénéfiques pour notre empire. Mais ça, on va voir ça dans l'épisode suivant. La gestion des titres. Et l'arrivée d'un héritier, j'espère. Il y en a pas une qui est enceinte, par hasard? T'as pas envie d'être enceinte, toi, non? Envoyez un cadeau. Aime-moi un peu plus. Oui, je sais que l'épisode est fini. Hop, qu'est-ce qui se passe? Rien d'intéressant, ok. Ouais. On va faire un épisode d'une demi-heure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, donc on peut se permettre. On baisse, nickel. Sur ce, on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge, laissez vos commentaires, je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.